Mitaka, Umbasara Hara Mitaka, Umbasara Hara Mitaka, Umbasara Hara Mitaka, Umbasara Hara Mitaka. You are all my children now. Umbasara Hara Mitaka, Umbasara. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je continue la redécouverte de mes jeux Mega Drive avec ma super série, ma première fois depuis si longtemps avec Tac Last Battle, communément appelé le Ken du pauvre, parce que je sais plus quelle est l'historique, quelle est l'histoire, mais en gros, c'est un peu complètement même Ken le survivant, mais il n'y a pas les noms ou les... Alors, est-ce que c'est un problème pour la version Euro ou US? Est-ce que la version japonaise, on est vraiment sur du Ken? Mais je crois que non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire de licence, on est vraiment sur un jeu qui s'inspire très fortement de notre ami Ken le Survivant. Alors pour info, hein, Ken le Survivant aussi c'est un manga et un dessin animé que j'adore, un peu comme Cobra d'ailleurs. Mais je trouve vraiment tous les persos de cette série hyper charismatiques. D'ailleurs, j'échange un peu dans les commentaires avec une autre personne qui est un grand fan de la série, hein, je le salue. Alors, que vous dire sur ce jeu? En fait, alors pour info, là, ce jeu-là fait partie des trois premières vidéos que je vais faire. Il y a eu Splatterhouse avant, il y a donc ce Last Blade, et il va y avoir Mickey, alors c'est lequel j'oublie toujours, c'est le World of Illusion. En gros, je vais commencer par les trois jeux qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont auquel j'ai le plus joué à l'époque chez mon pote, puisque moi j'avais pas de Mega Drive, j'avais une PS Engine. Et c'est les jeux vraiment qui m'ont le plus marqué et pour lesquels j'ai aussi de très bons souvenirs, même si c'est encore un peu flou, puisque la dernière fois je me suis rendu compte que c'est des jeux auxquels j'ai joué dans les années 80, début 90. Donc là on parle de quasiment 30 ans en arrière. Donc c'est assez violent. Mais ce Last Blade, en tout cas, je me rappellerai toute ma vie de la fois où on l'a fini. On avait commencé, genre, on faisait souvent, je viens dormir chez lui, tu viens dormir chez moi, et donc là, j'étais chez lui, forcément, puisqu'on avait donc la Mega Drive à dispo, et on avait commencé une partie, je sais plus combien de temps dure ce jeu, mais dans mes souvenirs, alors ça se trouve, c'est complètement faux, c'était hyper long. Hyper long, et le truc c'est qu'à un moment on arrive à le dernier boss qui est donc, mais une fois encore, là c'est des souvenirs qui ont 30 ans. Pour moi, c'est Rao sur Kokuo, sur le son cheval. Et là on est en stress parce que on vient de passer des heures à jouer, on est au dernier boss, et là on se dit oh punaise, si on n'arrive pas à battre le boss, il faut tout refaire. Donc là, la pression était vraiment, et on a réussi, alors pour le coup j'ai réussi à battre le boss, et c'était génial parce que, une fois encore, c'est des vieux souvenirs, c'est que on avait une pression sur les jeux, puisqu'il n'y avait pas de système de sauvegarde, là je sais même pas s'il y a un système de code, et vu le temps qu'on y passait, on avait une tension qui était permanente, puisque on pouvait se retrouver en deux secondes, voire balayer tous les efforts qu'on avait fait pendant plusieurs heures avant. Et sinon, bon, bref, ça c'est pour la petite histoire, mais de mémoire, les graphismes, ben moi en tout cas, je les trouvais pas moches à l'époque. Moi, il y a juste un truc, c'est marrant, hein, je me souviens comme c'était hier. Alors ça se trouve, c'est complètement à côté de la plaque. C'est les ennemis, quand on les shoot, ils partent, ils font une espèce de... Je sais pas, vous êtes là, vous avez Kenshiro, enfin, je sais pas comment il s'appelle dans le jeu, vous avez un ennemi qui arrive, tac, vous lui faites un coup de poing, il fait... Mais tout droit, en mode tout pourri.
Et ça, c'est un truc qui me faisait un peu bizarre. Alors, ça se trouve pas du tout, parce qu'il disparaît, je ne sais plus. Et pareil, il me semble que les ennemis rappelaient un peu les différents, comment dire, persos qu'on pouvait croiser dans Ken. C'était vraiment une inspiration très forte. La musique, elle est pas oufissime. Je me rappelle de la première, notamment. Et surtout aussi les différents interludes où il y a un son aussi qui est présent au niveau du texte qui défile, je crois. Ta-na-na, ta-na-na. Enfin, j'ai des souvenirs comme ça qui me reviennent. Mais honnêtement, on y a passé, pareil, énormément de temps. Moins que sur Splatterhouse 2 et World of Illusion. On y a déjà beaucoup, beaucoup joué. Parce que pour réussir à le finir, après je crois qu'il y a un système de... On peut choisir son chemin. Et on avait dû, tenter de trouver le meilleur chemin pour réussir à le finir. Et puis pareil, il y a un niveau, il me semble, dans une espèce de labyrinthe. On saute... Enfin, on passe d'un... C'est un labyrinthe. C'est un peu comme Magician Lord dans le niveau du château. C'est une espèce de labyrinthe. Et on s'est pris la tête dans ce niveau. Il me semble qu'il y a des tonneaux, je sais pas quoi, enfin, bref. On va essayer de redécouvrir tout ça. Par contre, je suis pas sûr de réussir à aller très loin sur ce jeu. Mais on va essayer. Allez, c'est parti pour la redécouverte de ce Last Battle. Allez hop, c'est parti pour la redécouverte de ce Last Battle. Pas du tout inspiré par... Ken le survivant. Hop. Punaise, j'ai pas eu le temps de lire, mais j'ai l'impression qu'ils nous font une espèce de vieille analogie avec le haut couteau, le couteau Shinken et le... Entre le manteau et le couteau, j'ai l'impression. C'est normal qu'il n'y ait pas de son par contre. Ah ouais. Ouf. Ah voilà, vous voyez ce que je vous disais? Les ennemis qui partent tout droit là. Allez, c'est parti. Ah ouais, c'est-à-dire, d'accord. Start. Oh, les scénettes. Les scénettes sans musique. Non mais coup de poing, coup de pied, saut. C'est vrai que les sons, c'est... Mais au final les graphismes, alors les décors sont tristes, mais je trouve que les persos c'est pas vilain en fait. Oh putain, la musique, pareil, ça évoque quelques souvenirs. Hein. Non mais c'est Ken, arrêtez. Ah ouais, alors attends. Alors l'arène, je crois qu'il y a un espèce de monstre vert. Ça, je sais plus. Allez, on va essayer de se faire l'arène. Oh putain, la musique. Mince.
Ouf. Au couteau Shinken. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Allez, on va avancer. Oh putain. Et ça, on y jouait la nuit. Et je vous cache pas que la soirée où on a fini le jeu, on était en pression. Mais alors, laisse tomber. Ça va, ouais. Ouf. Oh, la chance. Alors, je sais plus à quel moment... Ah oui, on s'en sort. Quand on arrive à... au niveau du... espèce de petit point blanc, là. Ça peut avoir de la chance. Ah, putain, c'est... C'est... Avant tu vis comme héros. Ok. Pourquoi pas. Oh punaise. C'est ça le niveau dont je vous parlais. Avec les rochers. Et donc les... l'espèce de labyrinthe là. S'il y a un saut. La tristesse. Mince. D'aller tout droit. Oh punaise, je me rappelle de ça. Et je sais pas si je dois absolument aller dans le champ dans tous ces portes. Je sais pas si ça apporte quelque chose ou pas. Je crois que là il y a des trucs des fois. Ouais, voilà. Je vais aller à droite toute, et puis on verra bien. Ah d'accord, ok. Magicien Lord, impeccable. Tristesse. Ah oui. Je pense effectivement le jeu n'avait pas dû marquer les esprits tant que ça. Hein. On est bien d'accord. Ok, j'ai même pas vu. Alors, je sais pas s'il y a des fans de la série, mais si on veut vraiment un jeu qui... Ah oui, ça, je me rappelle aussi. Mince. Ok. Si on veut un jeu qui rappelle vraiment la série, il faut mieux passer sur un... Oula. Passer sur le Versus, là, qu'il y a sur PlayStation 2, qui, pour le coup, est vraiment excellent. Je sais pas d'ailleurs si c'est la seule version qu'on peut trouver sur console de ce jeu de Versus. Parce que en arcade, je m'en rappelle, en arcade, pièce. Et le jeu qui... J'ai de la chance. Je voulais sauter l'origine. C'est un peu le jeu qui m'avait traumatisé parce que bah, j'adorais Ken le survivant. Et de voir s'affronter Sauzer, Raoul, Chou... Enfin, Shin et Ray, j'adore Ray, il a trop la classe. Oula. Oula. On peut aller en face, non? D'accord, en fait on peut pas sauter. On peut pas sauter par-dessus les trous, donc on a pas vraiment le choix en fait. Et vous voyez, ce niveau là, il est aussi chiant que dans mes souvenirs. Parce que... C'est le niveau, je me rappelle, il était saoulant. Mince. On le détestait. Beaucoup trop long. Alors, je sais pas si j'ai... Non, je continue dans ce que je faisais.
Alors attends, je vois si je suis pas en train de revenir là où j'étais. Cette vidéo va être trop longue. Oh là là, ça va me saouler. Allez, je vous cache pas que, à l'époque déjà, ce niveau, c'était une plaie totale. D'un ennui. Oh là là là. Alors attends, ça veut dire qu'il faut que je... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je retourne plutôt par là-bas? Parce que... Ah d'accord. Ah non, attends. Je peux sauter là. Il y a un truc. Voilà. En plus, j'ai plus de vie. Oh là là, c'est de la partie, mais... La vidéo... La vidéo de la loose. Top Player Golf version 2, quoi. Alors, attends. On va essayer de faire les choses bien, là. Oh, punaise. Ça m'a fait peur. Eh hey les gars, on fait comment pour éviter ça? Je pense ça. Ouais, c'est un peu inspiré de Ken le Survivant quand même, hein. Pas non plus. Ah, j'ai récupéré toute mon énergie. C'est cool ça. Oh punaise. Vous imaginez, vous avez deux gars là, qui sont au dernier boss, qui ont réussi à passer tout ça. Imaginez le degré de tension qu'on avait pu, qu'on avait face à Rao. On était en pression. Et là par contre, je me suis fait mais démonter totalement. Et bien écoutez, on va faire un petit débrief. Un petit débrief de ce... Là, j'ai pas compris. Voilà. À tout de suite. Alors, petit débrief de ce last battle, hein, on peut dire le faux Ken le survivant de la Mega Drive. Alors, j'avais pas oublié, je vous dis, le niveau du labyrinthe, hein, qui rappelle le passage dans Ken où il va dans une prison où justement il retrouve les... Je sais plus si c'était d'ailleurs le gars ou les gars, je me rappelle plus, mais qui sont dans ce fameux bloc de béton. Et pareil, l'espèce de boss, le premier boss vert, bon, ça va, pas trop de difficultés à le gérer. Mais par contre, le dernier contre qui j'ai perdu, je vous cache pas que je me suis même pas rendu compte à quel point je me faisais démonter à chaque fois qu'il me touchait. Un truc de malade. Donc, très très dur. Alors, les bruitages, c'est pauvre. Les graphismes, les persos, je trouve jolis. Par contre, les décors, c'est extrêmement pauvre. La maniabilité, c'est pas ça. Hein. Autant sur Splatterhouse, c'est lourd, mais c'est maniable. Autant là, c'est... C'est moyen, ça se dirige, une fois encore, il faut s'habituer. Mais je trouve que c'est un peu léger, en tout cas. Et l'ambiance, alors là, c'est pareil, nous, quand je me replace à l'époque, nous, on jouait clairement à Ken le Survivant. Et ça, c'était top. C'était top. Mais, je veux dire, là, je revois l'intro, c'est d'une tristesse, les interludes... Il n'y a pas vraiment de musique, machin, enfin c'est chaud quand même. C'est... Voilà. Mais une fois encore, c'est un jeu sur lequel on a passé beaucoup de temps, parce qu'on voulait vraiment voir... En fait, on voulait découvrir à chaque fois le perso, enfin le boss suivant, parce qu'on les trouvait classe. Et je trouve, pour le coup, le perso, le boss contre lequel j'ai perdu là, en un rien de temps d'ailleurs,
Ben, ils sont quand même classe. Et imaginez quand même le nombre de, enfin le temps qu'on a passé à réussir à les passer un à un, parce que là j'ai perdu en 2 secondes par face à ce boss. Sauf que là il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de code. C'est-à-dire qu'il faut refaire tout ce qu'on a fait précédemment pour essayer de comprendre en moins de 10 secondes les patterns et comment on pourrait trouver le point faible du truc. Donc, je vais quand même un petit peu m'y atteler, parce que, mais en même temps, là, je commence à avoir une... Bon, là, c'est pas, c'est plus réaliste. Là, c'est plus réaliste, mon truc, parce que j'ai... Pareil, sur Neo, il y a tellement de jeux que je veux refaire. Mais bon, c'était, vous savez, c'est le plaisir coupable du jeu que tout le monde considère pourri, mais que vous aimez bien, en fond. Ben voilà. C'est le mien. Bon, eh ben écoutez, j'espère que tout ça, quand même, vous aura plu. Je suis pas sûr de vous donner un méga aperçu du jeu, mais une fois encore, ça c'est vraiment des vidéos de redécouverte. Quand j'aurai un peu plus de recul et d'expérience sur les jeux, je ferai des... Mais là, je vous cache pas que c'est pas pour tout de suite. Là c'est même pas pour l'année prochaine. Des vidéos un peu plus complètes sur chacun des jeux que je connaîtrai vraiment, avec une présentation de peut-être un peu plus fine des différents niveaux et bref, c'est mes projets à long terme. On verra ce qu'il en advient. Mais bon, en attendant, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus !